Dans la capitale, ils étaient plus de 500 à manifester leur colère, réclamant la démission du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, mais aussi du directeur de la police nationale Jean-Marc Falcon. Plusieurs citoyens sont également venus apporter leur soutien aux forces de l'ordre. Si la police n'est pas respectée, le boulanger ne sera pas respecté, le journaliste ne sera pas respecté, le simple citoyen ne sera pas respecté. Donc à un moment, il faut que les choses changent et que tout le monde en prenne conscience. Le mouvement s'arrêtera quand on obtiendra satisfaction, c'est-à-dire des moyens, des démissions. On veut que M. Falcon y démissionne. Quand vous avez un patron qui ne tient pas à soutenir ses effectifs et qui le dit publiquement, c'est grave. Il y a une fracture qui a été faite, il y a un fossé qui a été creusé par eux, ils vont assumer. C'est tout. Quoi qu'il en soit, pour ce quatrième soir de manifestation consécutif, la mobilisation ne désemplit pas et les policiers entendent maintenir la pression.